Je m'appelle Sarah et je suis correspondante conformité à CACIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole. Il y a environ un an, j'ai eu l'opportunité de faire une mission banquier solidaire au Maroc en partenariat avec la fondation Grameen Crédit Agricole. Ça m'a permis de découvrir la microfinance de l'intérieur, de découvrir l'envers du décor. La microfinance, ça permet à des personnes qui sont normalement exclues du système bancaire classique d'avoir accès à des prêts. On a eu la chance de rencontrer des personnes qui bénéficient de ces prêts. Par exemple, on a rencontré un agriculteur qui cultivait un champ de pastèques et de cacahuètes. Et on a pu savoir pourquoi il avait eu recours à ce prêt. Il avait besoin d'agrandir son exploitation, de développer son activité. Donc, ce type de rencontre m'a ramené directement à l'histoire même du Crédit Agricole. Comment tout a commencé? C'était des agriculteurs qui eux-mêmes n'avaient pas accès au système bancaire classique et qui ont commencé à s'aider entre eux pour développer leur activité. J'avais toujours voulu faire du bénévolat, de l'humanitaire, mais j'avais jamais eu l'occasion de le faire parce que j'avais jamais trouvé le temps ni l'opportunité. Donc là, c'était parfait pour moi de, dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du travail, de mettre mes compétences professionnelles au profit d'une œuvre qui avait du sens pour moi. Il y a énormément de missions banquiers solidaires qui sont proposées par la Fondation aux collaborateurs du groupe. Donc j'encourage vivement toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre de mission à s'engager et à ne pas hésiter, à ne pas avoir peur parce qu'on est vraiment bien accompagnés. Et donc voilà, n'hésitez pas.